Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo aération, sortie VTT, tout de suite après le générique. Reprise de la vidéo, les amis. Aujourd'hui, petite vidéo partage. Partage du maintien en condition physique et psychologique. En disant ça, ça va en faire rire beaucoup. Le plus important pour moi, c'est de le faire à mon niveau et essayer d'inviter les gens à faire de même. Le sport, je vais essayer de m'arrêter un coup. Attendez, les amis, je suis en train de... Le sport est important. Il est important pour avoir une résistance physique et psychologique et pour affronter au mieux en cas de problème de rupture de la normalité quotidienne, en cas de gros événements majeurs, naturels, chimiques et tout le train-train. Il faut être en bonne condition physique, c'est ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, petite vidéo sortie VTT. Ça fait depuis le 20 septembre 2020 que j'ai pas sorti mon vélo. La dernière fois, j'avais fait une vingtaine de kilomètres. Là, je pense refaire à peu près pareil et de partager ce moment avec vous. Sur le trajet, je referai 2-3 speeches. Et je filmerai 2-3 paysages, enfin 2-3 endroits où je passe. Et le plus important pour moi, c'est cet après-midi de m'aérer. Voilà. Donc je vous reprends pour la suite de la vidéo. Ben vous voyez, ça fait combien de kilomètres que je suis parti? Là, ça fait une boucle de 3-4 kilomètres. Et petite montée, sympa. Je sais pas si vous verrez bien avec la GoPro. Pour ceux qui s'inquiètent de mon état de santé, c'est vrai que je tousse pas mal. Et là, je pense sérieusement à arrêter de cloper. C'est pour ça que l'exercice fait du bien même aux poumons. Et voilà. En tout cas, ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait de sortie VTT. Et là, j'en avais besoin. Là, la semaine que je viens de prendre là pour faire ma bagnole, mes examens de santé, bah, me permettent aussi de me faire une petite sortie comme ça. Ça fait du bien. J'invite vraiment tout le monde à sortir de sa maison. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. Ah, ce VTT, il est trop, trop bien. Et changer les pneus, c'est une fusée, ce truc. Après c'est le bonhomme qui est dessus. Hein. Là, il y aurait besoin d'un petit réglage de dérailleur. C'est prévu dans l'entretien de l'achat du vélo. L'achat du vélo a été une vidéo avec beaucoup de vues aussi. Hein. Donc, regardez-moi cette forêt. Magnifique. Un jour, il faudra que j'achète un support pour mettre sur le casque. Mais là, on est bien. Hein. Regardez-moi ce coin. Sérieux. Allez, je reprends après. Ah, puis ce que j'aime bien dans des sorties comme ça, c'est que
il y a des parcours de santé. De toute façon, dans toutes les forêts de France, il y a des parcours de santé. Hein. Des trucs comme ça, faut pas sortir de Saint-Cyr pour essayer de faire un peu d'exercice. Hein. Allez, encore quelques centaines de mètres. Et puis, je fais une petite pause. Et je vous jure, je sais pas combien de kilomètres que je viens de faire, une bonne dizaine. J'ai les mollets en feu. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait du vélo. Et j'ai un putain de mal à l'oignon, les copains. En tout cas, ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, tout de suite. Donc on arrive sur la fin de la petite randonnée en VTT, sortie aération. Je referai une dernière séquence à la fin du parcours. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas par où je passe là. Là, je vais pas passer. Ah si, hop. Voilà. Donc, je vous reprends un peu plus tard pour la fin de la vidéo. Reprise et fin de la vidéo. J'arrive au terme de la fin de ma randonnée. J'aurais fait en gros 19 km. Et puis tout ça pour vous dire qu'il faut sortir et s'aérer. J'espère que ce petit moment de partage vous aura plu. J'espère qu'il sera compris par une majorité de mes abonnés. Et ceux qui comprennent pas la finalité de cette vidéo, ben, je suis désolé pour eux. Hein. Tous les goûts sont dans la nature. Comme je l'ai dit au début, ma chaîne touche pas mal de thèmes et de compétences. Voilà, comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Allez, ciao, merci et à plus sur ma chaîne.